Bonsoir Béatrice, bonsoir à tous. Finalement, on se demandait qui commence ce soir. Comme d'habitude, c'est vrai que bon, on est très urbain entre nous. Oui, oui. Est-ce que tu veux commencer? En tout cas, on est là. Bonsoir à tous. Dernière scène du Pub Jazz à l'Hôtel Caribé. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai presque les larmes aux yeux parce que je me dis, c'est déjà la fin. Déjà la fin. Et puis cette édition-là, on a eu vraiment de la chance de pouvoir la voir dans de très bonnes conditions. On avait des artistes extraordinaires, bonheur communicatif. On a eu des jams incroyables, de la joie sur tous les visages. On a eu vraiment beaucoup de chance. Et puis, il a fallu beaucoup de travail à la Fondation Haïti Jazz pour que cette édition se passe dans les meilleures conditions possibles, étant donné, ma foi, la situation mondiale. Oui, effectivement, crise sanitaire oblige. On a dû prendre toutes les mesures, effectivement, pour protéger les artistes, les bénévoles ici présents, mais aussi le public. Donc, je pense que ça s'est très, très bien passé et voilà, je pense que c'est une 15e édition réussie. Alors, trois plateaux comme d'habitude ce soir. Tout d'abord, le guitariste franco-américain Alex Jacquemin, qui est accompagné de Denis Beliakov, oui, le russe, voilà, tout à fait, et de John Bern Thomas. Deuxième plateau, un projet uniquement Pub Jazz, le Creole Jazz Project. Alors, ce sont des musiciens d'Haïti, de Guadeloupe et de La Réunion qui se sont réunis à la demande de Joël Windmeyer pour jouer chacun leur composition et montrer que le créole jazz, mais ma foi, c'est un style à part entière et qu'il est exportable. Exactement. Et puis, dernier plateau. Oui, avec James Martin Band. Faut dire qu'il a été extraordinaire à l'université Quisqueya. Et je pense qu'effectivement, ce soir encore, il va exploser et le public va apprécier. Et puis, on terminera au Quartier Latin avec Terly Job-Pierre, jeune chanteur haïtien. Donc, nous, on va aller voir un peu et prendre un peu la température et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est reconnu sur la scène jazz. Il est accompagné ce soir du saxophoniste russe Denis Beliakov, qui a la particularité d'abord de jouer de plusieurs instruments, puis surtout d'avoir un tout petit saxophone, vous allez voir, et du batteur haïtien John Bern Thomas. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et je vous laisse en compagnie de nos premiers invités. Thank you.
Bonsoir à tous, bonsoir. Comment vous y êtes, Haïti? Franck, je me suis rendu compte que ce micro était allumé, alors ça a peut-être créé des problèmes, mais je vais l'éteindre une fois que j'aurai parlé. Merci infiniment d'être là. C'est la dernière soirée de cette magnifique semaine du festival. Alors, je vais vous parler un petit peu en français rapidement pour vous expliquer un petit peu la démarche que l'on fait, parce que c'est une musique moderne. Un petit peu étrange, un petit peu différente. Alors, ça part du principe qu'on s'est rendu compte avec Denis aussi depuis des années en essayant de s'intéresser à la philosophie, à la foi et à tout ce qui peut nous apporter du bonheur, que vivre au passé ou vivre au futur
était toujours générateur d'angoisse, de problèmes. On vit dans le passé avec la culpabilité, les regrets, on a peur du futur. Et quand on adapte ça dans la musique, on se rend compte que bon, si on répète trop des fois ou qu'on a mal fait des choses, on regrette ou on a fait des mauvais choix ou alors on angoisse sur le futur parce qu'on se dit est-ce que je vais aussi bien jouer que j'ai joué à la répétition, etc. Donc on a décidé, enfin j'ai décidé depuis longtemps de jouer dans l'instant présent et donc d'essayer de se dire que c'est dans le présent et dans l'instant que le bonheur est. Donc plus de répétition, plus de connaissance de ce qu'on va jouer. Donc les musiciens ce soir n'ont aucune idée de ce que je vais jouer, aucune idée de tonalité ou de quoi que ce soit. Et donc on essaie de jouer au temps présent et de profiter de vous en tant que public et de nous pour partager avec le cœur quelque chose de différent. So, I'm going to switch to English now. So, the concept of the music is a little bit different. We get to the point that to live in the past or in the future, it's always, you know, producing problems, psychological problems, fears, you know, regrets, culpability. So we decide to adapt that to music and to try to play at the present moment. So we don't rehearse, the musician doesn't know whatever is going to happen, no tonality, no style, no tempo. And we try to play at the present and share it with you and to generate something that is right now, okay? So in order to do so, I use a loop station. So sometimes it's a little bit confusing. There's a lot of notes because I record myself live, whatever comes, and I try to put layers on the top of the music that I do, and they try to follow me, and we try to create something musical. So in order to do that also, I have decided to take a saxophonist that's not going to play acoustic jazz saxophone, but a sax digital called Ewis, like an electronic thing that is played like a sax, but it's controlled sound that are much more different and electronic and modern. So give a big welcome to Denny Belyakov on the sax Ewi from Russia. And the chance that I have every time I play in like Haiti is like I know that I'm going to play with my best friend and one of my favorite drummers in the world. This drummer is one of the guys that put the Creole jazz fusion in place. We have worked for many years together to try to help the local musician here in Haiti that doesn't have a chance or the same chance than in the States or in Europe to get like the knowledge that they need. But in fact, I push them to go with the knowledge that they already have, the culture, what they have in the Creole jazz inside them and to mix it. So it's such a pleasure for me to share this spontaneous music with a Haitian drummer, John Bernd Thomas on the drum. My name is Alex Jacquemin. I'm French-American, traveling the world trying to find happiness and produce good music. So we take a big risk and thank you to listen to that risk and thanks to be there. A pleasure. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Alors voilà, notre performance touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ces différences. C'est un peu plus difficile d'aborder, mais pour nous aussi, c'est ça qui est intéressant quand on joue spontané. It's like it's very good when you play spontaneous composition. Sometimes it's hard for you, but believe me, it's hard for us. If it's good for you and you close the eyes and you like, we close the eyes too and we think about the same person than you. That's how it works. When you prepare too much, when you, it's different relation, it's great. Music has been like that for centuries and it's fantastic. But yeah, we, 2021, let's try something else. So I'm gonna take a few seconds just to say something that everybody says, but frankly, it could be said more like, Joël Milena, Pap Jazz Festival. Mais Milena et Joël, vous pensez qu'ils arriveraient à faire tout ça tout seuls? They can't do that alone. Milena and Joël, they made this fantastic jazz fest in the middle of the biggest crisis since the World War II. And it's in Haiti, guys. Right now, right here. You have no idea, in France, in Paris, in New York, from everywhere, every friend that I have in art, in business, everybody is desperate, man. And we have the chance to be there. So how can we do like otherwise than being in the present and enjoy it? So a big round of applause for the festival and for the team, for everybody. Les gars, en pile monde, sacrifiez tant lit pour vous. En pile moon. Il n'y a pas en pile cop, il y a en pile passion. Merci à tout le monde d'être là. Vous allez avoir une soirée fantastique. Le groupe qui suit derrière moi, c'est un groupe énorme parce que ce sont des personnalités de tous horizons qui se réunissent pour du créole jazz. Ça va être fantastique. On va revenir vers des choses plus acceptables que ce que je viens de vous faire. Mais let's take some risks, let's enjoy the night. And the night's gonna finish with a fantastic band, very efficient, very festive. So thank you so much to be there. Thanks for the festival. And we love music, you love music. Let's get straight to the same thing for this 2021. It's gonna change. We go for the best, okay? Thank you, guys.
All right, Alex, I really enjoyed the way that you spoke with the audience today. You seem very much at ease and ready to tell everyone exactly what they should expect, even if it wasn't what they were expecting. You were like, this is what it's going to be. But I have to, because it's kind of a different music. Uh-huh. Even like in New York or France or whatever, this kind of music, because it's not prepared, you yes. don't have anything that... It's like, what is that? But it's not like bad. It's not mm-hmm. like that. But I have to give a speech about like how we do it. Exactly. So people can understand where you're coming exactly. from. So I really loved it because I felt it was such a smooth, swaggy way to get us started with the day. It was almost like a musical meditation to get us ready for what's about to happen. I truly enjoyed it. That's what I try to do. You know, I'm in jazz for like almost 27 years now, but the mm-hmm. problem of the jazz music, it has no problem, it's great, but the problem is like usually people are making a music that is difficult for non-connoisseur. Okay, true. And they say that about I jazz try music. To be, Let's I speak to the people. Uh-huh. I try to be like a bridge to make people that doesn't have a connection with jazz be able to realize that, oh, this music doesn't have a singer, it's not my style, but I like it, it touched me inside. So yes. I try to be a bridge. And then later people can have a Miles Davis, John Coltrane, free jazz, modern jazz. But it has to have a bridge to get there, and I try to be that bridge. So I could play very weird chords, but I try to play melody that you can rely to your childhood, to sadness, yes. happiness. So we need some people to make a bridge for making more people listening to jazz. Well, I loved it, and I thought it was so soothing, and like I said, it kind of just took us into the evening. Rara, the Rara from Follow Ja is now telling us, you know, things that, are about to heat up. Somewhere, yeah. Things are about to heat up. So, in general, how's your Pop Jazz experience been? This is your third Pop Jazz. Tell us how you feel about this festival. Oh, it's fantastic, because I came here the first time 20 years ago to get married. So we get connected with the good jazz musician or musician in general here. And Joel Windmeyer, the yes. organizer, was part of it. Claude Carré, too. Mm-hmm. And we got a connection. And then when we start the jazz festival here, the Pop Jazz, they invited me. And then it was difficult at the beginning. Then after, they invited me a second time with my wife, Vanessa. Mm-hmm. Mm-hmm. And we started to see a lot of the local musicians starting to participate to jam session, yes. to things, like yes. getting better. And then after I lived here, I stay here, we did a jam session every Monday at Backyard mm-hmm. with Joel, with Claude mm-hmm. Carré, with John Berntoma. And then they had a stage to jam, like in New York, with a light, good sound, good musician. And then after I left, and it's the third time that I come back, and it's been 5 years or 6 years that I didn't come back, and I saw all these young musicians jamming with me yesterday yes. and in overnight, and turn I was like, "Damn, fine musicians in Haiti, yes. you don't have access to education I the agree. Same way. Mm-hmm. If you want to go to Berklee College of Music, you have to face $100K plus. Yes, how can you make that when you come from whatever you come from? But yeah. here it's difficult. So I was so amazed that it's possible to give a chance, and now they have the level to be professional. Yes. And they make a living here, because here the COVID is not that bad, and yes. people still have concert. And yeah. as a French-American, Paris and New York, mm-hmm. I'm like, Haiti become the only place in the you world where you come. Can have a festival. So get to live here, people, because it's better. Bagayo Bell. Thank you so much, thank Alex. You. Okay? Thank you. Thank you.
Bonsoir tout le monde. Et Zola. En baratant Zot. Et Zola. Yes, I. C'est la dernière soirée du festival. Quel merveilleux festival. S'il vous plaît, faites du bruit pour tous ceux qui ont organisé ce magnifique festival. On est super chanceux. Super chanceux de pouvoir vivre ce moment en live avec vous. Voici une chanson que j'aimerais vous présenter. Elle s'intitule Seo. Ça veut dire c'est toi en créole guadeloupéen. C'est une chanson sur la confiance en soi. Elle figure sur l'album Family Dinner de Snarky Puppy. Et on va vous la jouer ce soir avec ces merveilleux musiciens. On va augmenter un petit peu la vitesse. Tout ça vous appelle. Ça pas jamais assez. Tout ça vous j'avoue. Tout petit d'Ervin comparé. Tout ça vous connaît. Petit goût à dents de l'emmer. Vous mettez où en terre. Toujours meilleur, mais seulement la vie pas de compte. Tout chemin qui amène les mêmes côtés là, pas ni on vive ou tout le palais. Si ou pas mes collègues qui t'ont l'esprit haut, ça qui a donc qui bouge fait bas. Content, je me lâche, je suis expérience, je n'ai qu'à définir qui manque compte en bas. Si ou pas mes collègues qui t'ont l'esprit, oh, ça qui est dans le cœur qui manque à mes bas. On se montre content, je me lâche, je suis expérience, je n'ai qu'à définir, on se montre compte en bas. Si t'es plus belle, si ou t'es plus intelligent, l'amour passionnel, de que soigner tout que j'apprends, réussite professionnelle, de que suis naturellement, on l'en est nouvelle, de que sourire tout bonnement, mais seulement. Si vous pas content, je me lâche aussi expérience, je n'ai qu'à définir, qui manque compte en bas. Si vous pas mes collègues qui t'aiment, qui manque à mes bas. On se montre content, je me lâche aussi expérience, je n'ai qu'à définir, on se montre compte en bas. Pécheurs qui besoin absolution, toute beauté ou gagner, c'est négativité. On paquette à l'esprit conditionné pour toujours faire
des sentiments. Sentiments qui passent l'incertitude, passe toute marée en l'esprit, on doux contre cabrit. Ou toujours ni on raison pour satisfait. Pas sous pavé, comprendre son âge, parfait. Ego walk, apprend ton place, top bras, top masse, on envie là, c'est possible, c'est gay, chasse, c'est mauvais vibration. En toute direction, cabrilé, au gradation. Sans humiliation, cabessio, faut faire attention, fais méditation. Songez l'amour, c'est seul médicament, nous dit. Là, t'as prié depuis la tête, ou précié, il a attaqué mes mains. C'est vous qui avez choisi, tu peux marcher la lune. Tu peux pleurer, puis bicher les langues, ça tombe. T'as laissé confiance en marcher à pied. Mais tout temps, là, t'as roulé en BMW. T'as dit sans appel, la gaffe, arrête, papa, on mène. L'en vous pas qu'à l'être, si vous en mettez de A à Z. Si vous parlez que la qui t'a au esprit, ça qui a donc et au qui mourge feuille. Si vous parlez que la qui t'a au esprit, ça qui a donc et au qui mourge feuille. Si vous parlez que la qui t'a au esprit, ça qui a donc et au qui mourge feuille. Thank you.
merci beaucoup. C'était un morceau de ma composition. En fait, on est en... We're streaming live, so a lot of people can see that I have to speak in English, right? Otherwise, it's just going to be for us. yeah. So this project we got together, as you may know, just last Monday. And everyone brought their songs, and we got to learn a whole lot of music from different parts of... We have two things, mainly two things in common. First of all, we're Islanders. Yeah. Two. And our language, because we all speak our Creole. Yeah. But the one who's further away, first of all, we rehearsed all these songs, but we didn't rehearse at all what we were going to say. Oh, mon capable Creole? Bon, eh ben, nous répéter tous ces morceaux-là, mais ni on sait le bit à nous pas répéter, c'est ça nous t'es qu'à dit. Exactement. Bon, à présent, nous rajoutons un morceau. En cas présenté, au monde là qui est plus loin de nous tous ici, dans, parce que nous, c'est la Caraïbe, mais on a ça qu'il a là, c'est l'océan Indien. La Réunion, représentée au Suela. La Réunion représente. Mais avant de vous faire goûter un petit peu de la Réunion, je crois que nous allons jouer. Je crois que nous allons être là où nous sommes à présent, Haïti, avec une composition de. Non, en fait, non, c'est pas une composition de Mouchi Joël. C'est pas une composition de Mouchi, c'est une musique traditionnelle, c'est un morceau traditionnel de notre répertoire traditionnel. C'est une musique que Mouchi a fait les arrangements d'ailleurs. On applaudit que c'est sur son album. Le morceau c'est Haïsan et je. Donc, on va prendre le plaisir de laisser surtout Malika chanter ce morceau, parce que c'est moi qui le chante sur l'album, mais Malika, voilà, on va essayer de faire un petit truc ensemble, voilà. Yeah.
Merci Malika. Merci Olivier. Merci beaucoup à vous tous. Ça va bien? Super, nous aussi. Et on pas qu'à parler créole haïtien, mais par contre, Miguel et cause créole La Réunion. C'est bon? Donc, ma commence cause créole sommes autres. C'est bon? On a fait un bon voyage pour venir ici. Alors, voilà, je suis vraiment content de vous autres t'asseoir. En plus que ça, pour rencontrer un super gaillard, l'équipe comme ça, ben vraiment les top, les Nice. La Réunion, le groove, les affaires, la nuit jouée, pas les mêmes affaires qu'ici, mais le cœur est là, le groove est là. Et là-bas, il connaît, bonne percussion, il fait rak, rakatu, rakatutuka, rakatutuka. 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 Tchik tak tak rakatutuka. Tchik tak tak rakatutuka. Tchik tak tak rakatutuka.
sont pas magnifiques. Hein, on les applaudit encore un peu quand même. Mais on t'applaudit aussi toi. nous avons une surprise. Bon, la musique que nous avons jouée ce soir, the music we played tonight, was a surprise for all of us because we discovered the songs from. We each of us brought two songs, and I had this idea that I would bring a song that I never recorded. Si certains de vous connaissent Tania Saint-Val, notre chanteuse de la Guadeloupe, il y a quelques années de ça, je ne dis pas combien, parce que ça pourrait me porter préjudice. J'avais écrit une chanson pour Tania qui commençait comme ça. Un truc qui faisait c'est petit, trop petit. À la même époque, j'ai écrit une autre chanson que j'ai jamais enregistrée et que nous avons décidé de vous jouer ce soir. Et puisque c'est une chanson qui parle d'unité, puisque nous sommes ce soir ensemble, nous allons vous jouer ensemble. Je n'en ai force pour aller à Palage pour t'écourager. Tout ça, moi, peut faire bien qui meilleur ensemble. Déjà couru bon chemin, moi, pas t'y fait tout seul en moi. Pour moi, vrai pour taille. Veillez-nous t'aille ensemble, 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 ensemble pour nous vivre, toujours ensemble en ouvert, on met chemin. Ensemble pour été, toujours ensemble en ouvert, ça qui l'amour ensemble. La vie j'ai commandé au fort. Pour mieux t'en nouer ensemble. Oh, yeah. Si c'est pour connaître la misère, ensemble nous caillons les véfés, caillons ni du vent, nous qui pivaillons ensemble, nous qui pivaillons ensemble. Ensemble, ensemble, ensemble pour nous vivre, toujours ensemble en nouvelles, on met chemin ensemble, on met chemin ensemble. Ensemble.
Éternel d'un instant qui voit le monde par tes yeux insouciants, toi qu'on dit impuissant, toi qu'on juge innocent, mais qui possède la sagesse du revenant. De toute mon âme, je te demande pardon.
perfection en voulant l'améliorer à coup d'erreur d'entendre enseigner. Je voulais vous dire le grand plaisir que c'est pour nous tous de s'être réunis cette semaine, de nous rencontrer, d'amener chacun des univers comme ça différents et de vraiment se rencontrer ce soir devant vous, avec vous. Encore un immense merci à Joël, Milena et toute l'équipe du festival de nous avoir reçus aussi bien, avec autant de cœur. Et vraiment, ça fait plaisir de retrouver les cousins créoles.
Thank you.
Merci Bibi. Effectivement, Creole Jazz Project pour la première fois, projet porté par Joël Winmayer avec le concours de l'ambassade de Suisse. J'ai avec moi Olivier Carorio et Malika Tyrolien. Essayez de vous rapprocher de moi. C'est vrai qu'il pleut un peu, alors on essaie tous de se tasser sous la tente. Alors Malika Tyrolien, chanteuse marie-galantaise, donc d'origine guadeloupéenne, qui poursuit une carrière au Canada. On lui doit un premier album sur la voix ensoleillée. Et puis une nomination en Grammy Awards, et non pas 6 comme a annoncé Joël tout à l'heure, on aurait aimé. Et, oui. Et puis une collaboration avec Snarky Puppy sur le projet Bocanté. Quant à Olivier Carorio, harmoniciste venu de La Réunion, lui aussi un album à son actif qui s'appelle Singular Insularity. C'est un... Alors, excusez mon anglais, hein. C'est un album en collaboration avec des Caribéens. Ils sont là donc tous les soirs sur ce projet Creole Jazz Project. Alors, lorsque Joël vous a appelé, quelle a été la première réaction? Qui veut répondre en premier? Malika. Moi, c'était plus Milena qui m'a contactée et ma réaction, c'était oui. Totalement. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais oui. Parce que je rêve de venir jouer au Festival de Jazz d'Haïti depuis des années. C'est vraiment, j'ai eu plusieurs occasions de venir et il y a toujours eu un petit problème, soit d'agenda ou de quoi que ce soit. Et donc, je voulais absolument être là. Au départ, c'était censé être avec Jacques Schwarzbart, avec lequel on a un projet d'ailleurs, un album qui va sortir aussi bientôt au printemps. Et c'était sûr que je voulais être présente. Vraiment un honneur et un grand plaisir d'être ici. Bah, quant à moi... Moi, j'ai été contacté par Joël au début de l'année. Ça a été mon cadeau de 2021. Quand il m'a contacté, on était en contact par rapport à Singular Insularity. Il avait prévu de me faire venir en janvier 2022. Et puis là, il m'a appelé en me disant « Écoute, si tu veux, il y a une place dans le Creole Project. Est-ce que tu viens ?» J'ai dit « Mais je viens en courant, je viens à la nage, je viens, bien sûr, évidemment. » Alors, vous arrivez chacun avec votre couleur musicale. Il y a des musiciens d'Haïti, il y a des musiciens de la Guadeloupe et donc de La Réunion. Quelle a été la principale, si vous avez eu des difficultés, quelle a été la difficulté principale à jouer des compositions comme ça différentes, Olivier? Ben, en fait, c'est que tout est nouveau, on ne se connaît pas encore très bien. Donc on va à la rencontre et on découvre les univers de chacun. Et puis on découvre ses propres compétences. On est mis face aussi des fois à nos propres habitudes, à nos propres zones de confort. Et des fois, on se retrouve dans une zone un petit peu plus périlleuse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça l'aventure, c'est ça qui est beau. Mais du coup, on y va vraiment avec le cœur. Et c'était vraiment une vraie rencontre collective. J'étais ravi de découvrir les univers de chacun. Et quant à Malika qui est à côté de moi, elle m'a tué. Voilà, je sais pas quoi dire. Malika. Eh ben, franchement, déjà, c'est très mutuel. J'ai été vraiment époustouflée par le talent d'Olivier et le talent de tous les musiciens qui ont joué. La rapidité d'absorption des chansons, alors que ce sont des univers tellement différents. Et l'ouverture d'esprit aussi, de pouvoir aller à la rencontre de l'autre et à la rencontre de son univers musical. J'ai trouvé que c'était vraiment une expérience très enrichissante et très nécessaire pour créer des ponts entre les gens de la Caraïbe. Je trouve que c'est un projet excellent et qu'il faut continuer encore et encore. Alors Olivier, toi tu es un grand défenseur du créole jazz qui s'appelle plutôt Maloya Jazz ou Jazzoya comme disait Mehdi Gerville. Mais c'est pas mal comme contraction. Quel est l'accueil du public réunionnais pour ce Jazzoya? Ah, mais du public réunionnais. Ah, mais l'accueil du public réunionnais, ils adorent ça. Je veux dire, c'est comme prêcher des convaincus. Dès qu'il y a une tourne de Maloya à La Réunion, tout le monde... Voilà, c'est comme hier soir, quand il y avait Bookman Experience, à la première note, tout le monde était debout. Mais à La Réunion, dès qu'il y a un groupe de Maloya qui joue, tout le monde est debout. Voilà, c'est comme ça, c'est la transe, c'est parti. Non, ce qui est vraiment fantastique pour moi, c'est aussi de venir à la découverte des rythmiques caribéennes, qui ne sont pas mon univers, mais on parlait de la Caraïbe. Moi, bientôt, je prends le passeport caribéen, là, je sens là. Avec grand plaisir. De toute façon, on a l'intention de faire un certificat de résidence pour certains musiciens. Donc, on peut te mettre sur la liste. Malika, toi, tu es sur un projet avec Snarky Puppy qui s'appelle Bocanté. C'est aussi une manière de faire connaître cette musique créole? Totalement. Même si dans ce projet, on vient de différents pays, du Japon, du Ghana, des États-Unis, du Canada. On sait encore une fois ce mélange-là si intéressant des cultures. Et moi, j'apporte la Guadeloupe avec un peu quelques rites de Groca. Et c'est vraiment un plaisir
de voir l'évolution de ce groupe et Bocanté. On prépare d'ailleurs notre troisième album en ce moment. Alors merci à tous les deux, ça va être le retour du live. Tout à l'heure, il y aura James Martin qui jouera. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et puis, pas de jazz ou pas capala. Mesdames et messieurs, le James Martin Band. Thank you.
yeah, ain't no bigger than my soda pop. Your Cadillac, it ain't no hipper than my Pontiac. I got the power to control. I can see straight through your blindfold. Wanna tell you now, you know that I'm gotta finish. Sorry, y'all.